أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وأتقى الطاهرين وعن الله دائم أجمعين إلى يوم الدين. La mort et les étapes de l'au-delà. Nous en sommes arrivés à l'étape ultime qui est l'enfer. Puis après, nous arriverons au paradis. Je vous citerai les versets coraniques, quelques versets coraniques pour décrire le paradis. Puis après, nous aurons terminé le sujet de la mort et les étapes de l'au-delà, et ça sera quelques annexes tournant autour de la mort, comme l'évocation de la mort, les intercesseurs au jour de la résurrection, les récits de ceux qui craignent Allah et quelques autres sujets. Inch'Allah, je pense que j'arriverai, comme je vous avais dit, jusqu'à à peu près 20 parties, pas plus que cela. Donc l'enfer, comme vous vous doutez bien, c'est l'épreuve qu'on espère qu'on passe même pas une seconde là-bas. Il y aura certains péchés qui auront besoin d'être purifiés, ceux qui n'ont pas été purifiés dans l'entre-deux-mondes, le barzakh, dans la tombe. Il y aura certains péchés qui auront besoin d'être purifiés à travers l'enfer. Certaines personnes restent éternellement en enfer, d'autres restent une seconde, d'autres restent quelques temps. Mais ça reste une épreuve horrible. Il y a des hadiths qui indiquent que celui qui croit à l'wilaya ne reste pas éternellement en enfer, comme quoi l'amour de l'imam Ali alayhi salam mange les péchés. Si on a fait certains péchés vraiment très graves, on peut se retrouver en enfer. Mais pour les chiites de Muhammad wa Ali Muhammad, ça reste exceptionnel et très rare. De toute façon, même concernant le paradis, nous avons les hadiths qui disent que tous les degrés du paradis sont pour les chiites. Le plus bas degré du paradis sont pour ceux qui n'ont pas cru à l'Wilaya sans forcément rejeter, totalement rejeter. C'est-à-dire des gens qu'on pourrait dire qu'ils étaient entre les deux et qui n'avaient pas eu la possibilité d'accéder à travers leurs connaissances et leur niveau au niveau de l'Wilaya. Mais tous ceux qui rejettent la Wilaya et qui avaient la possibilité d'apprendre sont forcément condamnés à l'enfer. Il n'y a pas de degré de paradis pour les mukhalifines. Les mukhalifines, maximum, ils se retrouvent dans le plus bas degré du paradis pour certaines personnes, comme je vous ai dit, qui étaient, on pourrait dire, neutres. On peut voir ça à travers les gens qui sont totalement illettrés. Bon, certains sont totalement illettrés, mais ont des positions contre nous, contre les chiites ou bien contre le chiisme. Mais d'autres sont complètement indifférents. Donc peut-être, Inch'Allah, ils auront la miséricorde divine et avoir accès à un plus bas degré du paradis, Inch'Allah. Donc l'enfer, bien sûr, l'enfer et le paradis est créé par nos propres actions. C'est pour cela qu'il y a différents degrés en enfer et différents degrés au paradis. C'est nous-mêmes, à travers notre vie d'ici-bas, qui créons l'enfer, notre propre enfer et notre propre paradis. Donc chacun aura un paradis différent et un enfer différent, suivant ce qu'on a fait dans notre vie. Mais après, bien sûr, on sera récompensé, par exemple, pour nos paradis, on sera avec les gens les plus proches que nous avons appréciés. Peut-être qu'on arrivera à intercéder auprès d'eux, d'Allah Azzawajal, pour qu'ils puissent être élevés en degré. Mais chaque paradis est différent, suivant l'être humain. Et chaque enfer aussi est différent. Donc la torture de l'enfer, Abu Basir, dans l'Allah et Allah, témoigne. J'ai dit à l'imam Sadiq alayhi salam, ô fils du messager d'Allah, fais-moi peur de la torture d'Allah car mon cœur est endurci. C'est-à-dire il veut rendre son cœur plus doux et craindre, avoir un état de crainte. Donc il demande à l'imam Sadiq alayhi salam qui lui parle de la torture qu'Allah azawajal va infliger à ses désobéissants. Il m'a répondu, ô Abba Muhammad, prépare-toi
à une vie longue et lointaine, à savoir la vie de l'au-delà. Sa durée n'aura pas de limite. Pense-y bien et prépare-toi, car Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel, était venu un jour voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, le visage sombre, les signes de l'affliction, de la mélancolie visibles sur lui, contrairement à ses habitudes, où il venait généralement voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, souriant, gai, le visage gracieux et l'air heureux. Là, contrairement à l'habitude, Gabriel, l'ange Jibril, est venu en état de tristesse et un visage sombre. Alors que d'habitude, quand il venait voir le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, il venait toujours d'un visage souriant et joyeux. Qu'as-tu, ô Jibril? Le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, demande. Je te vois aujourd'hui triste et angoissé. Jibril dit, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa laj al farajahum wa. Les soufflets de l'enfer se sont arrêtés de souffler aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Et c'est quoi les soufflets de l'enfer? Jibril expliqua: Ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah avait donné l'ordre de souffler sur l'enfer pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il fût devenu blanc. Puis on souffla sur le feu de l'enfer pendant 1000 autres années jusqu'à ce qu'il fût devenu rouge. Ensuite, on y souffla jusqu'à ce qu'il noircît. À présent, il est noir et obscur. C'est une goutte de darir. Darir, c'est la sueur des gens de l'enfer. On dit que la sueur des gens de l'enfer est composée des ulcères et des liquides des vagins des femmes adultères. Elle est bouillie dans des récipients et des chaudrons infernaux. On en fait boire aux gens de l'enfer au lieu de l'eau. Voyez, c'est horrible. Donc, si la sueur des gens de l'enfer, si une goutte, une seule goutte, tombait dans les os des habitants de la terre, ceux-ci mourraient tous de sa puanteur. Et si un seul maillon d'une chaîne d'une longueur de 70 bras s'opposait sur le monde d'ici-bas, les gens de ce monde seraient anéantis. Si une seule chemise des gens de l'enfer était suspendue entre le ciel et la terre, les gens du monde d'ici-bas seraient anéantis par son odeur nauséabonde. Lorsque Jibril eut terminé son exposé, il se mit à pleurer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, Allah leur envoya un ange pour leur annoncer. Allah, qu'il soit béni et exalté, vous transmet ses salutations et vous dit: Je vous ai immunisé contre tout péché qui requiert la torture. Depuis cet instant, chaque fois que Jibril, alayhi salam, venait voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était souriant et gai. L'imam Sadiq, alayhi salam, nous dit encore: C'est au jour de la résurrection seulement que les gens de l'enfer réaliseront l'immensité de l'horreur indescriptible de leur demeure et de la torture divine. De même que les gens du paradis se rendront compte de l'immensité du plaisir et du bonheur dont ils jouiront éternellement, celui qui entrera en enfer se débattra pendant 70 ans pour remonter du fond du feu jusqu'à la surface, mais chaque fois il atteindra celle-ci, on lui administrera un coup de battoir en fer sur la terre qui le ramènera, sur la tête qui le ramènera au fond. C'est-à-dire à chaque fois il passe son temps à vouloir remonter pendant 70 ans pour remonter du feu jusqu'à la surface, et à chaque fois on lui met un coup et il redescend en bas. Puis on lui changera la peau et on le revêtira d'une nouvelle peau afin qu'il soit plus sensible à la torture, qu'il soit encore plus sensible puisque c'est la peau qui donne la sensation. Donc on lui remplace la peau et pour qu'elle s'essuie et que celle-ci soit plus douloureuse qu'avant. Et après on recommence donc le châtiment. Bir al-Anwar, volume 8, page 280 à 10, numéro 1. Un autre hadith rapporté par l'imam Ali Salam, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, raconta un jour, quand je suis entré dans le premier ciel lors de la nuit de l'ascension, tous les anges qui m'ont vu étaient contents et heureux de me voir, sauf un qui avait une stature énorme. Je n'ai jamais vu auparavant une apparence désagréable et signe de la colère visible sur son front, et qui, en me voyant, me salua et me complimenta à l'instar des autres anges, mais sans sourire ni se montrer content de me voir. J'ai demandé alors à Jibril quel est cet ange qui m'a fait verdir et m'a effrayé. Il m'a répondu que c'était Malek, le gardien de l'enfer, et d'ajouter: Nous le craignons tous, donc il n'est pas étonnant que tu aies peur de lui. Il n'a jamais souri de sa vie. Sa colère n'a cessé d'augmenter jour après jour contre les ennemis d'Allah et les pécheurs depuis qu'Allah lui a confié la charge de l'enfer. Allah lui ordonne de les écraser et de se venger d'eux. S'il avait rencontré avant toi ou s'il rencontrait après toi quelqu'un avec un sourire, il t'aurait certainement souri et se serait montré heureux de t'en rencontrer. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi poursuit:
J'ai pris l'initiative de le saluer, il a répondu à ma salutation en m'annonçant la bonne nouvelle de ma destination au paradis. Sachant que Jibril alayhi salam occupe une position privilégiée et jouit d'une puissance dans les ciels, et que de ce fait les êtres célestes sont censés lui obéir, je lui ai demandé « Ordonne au gardien d'enfer de m'en montrer le feu. » Donc Jibril, il demande à Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit au gardien de l'enfer, qu'il montre le feu de l'enfer au prophète. Jibril commanda au gardien de l'enfer « Ô Malik, montre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le feu de l'enfer. » Malek a levé le voile et a ouvert une des portes de l'enfer. Là, un bloc de ses flammes monta vers le ciel en brillant et rugissant tellement fort que j'ai eu peur. J'ai dit alors à Jibril d'ordonner à Malek de baisser le voile. Malek ordonna à la flamme de regagner sa place, ce qui fut fait. Pierre à la Noire, volume 8, page 291. Bien sûr, avoir peur pour le prophète, ça ne s'applique pas à lui-même. S'il a peur, il a peur pour sa communauté et pour les gens qui risquent d'aller en enfer. Sinon... Il n'a aucune raison d'avoir peur, puisque tout a été créé par lui, par la lumière de Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Donc la peur, c'est à comprendre dans le sens comme quoi il a peur pour sa communauté et pour les musulmans. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, Allah n'a jamais créé un être sans lui destiner une maison au paradis et une autre en enfer. Lorsque les verdicts seront terminés et que les gens destinés à l'enfer s'installeront dans leurs demeures respectives, un crieur appellera les habitants du paradis et leur dira « Venez voir l'enfer ». Ils regarderont alors en bas et verront leur maison. On leur dira « Si vous aviez péché, vous auriez eu pour demeure ces maisons ». Ils se réjouiront tellement d'échapper à cette torture qu'ils seraient morts de joie si la mort existait au paradis. Puis le crieur appellera les habitants de l'enfer et leur dira « Relevez vos têtes et regardez en haut pour voir vos maisons ». Ils regarderont leur maison au paradis avec tout ce qu'elle comporte de bienfaits et de délices. On leur dira « Ces maisons auraient été les vôtres si vous aviez obéi à Allah ». Ça veut dire que les gens qui sont au paradis, on leur montre les maisons qui leur étaient destinées en enfer. Et ça leur permet de se dire « Alhamdoulilah » qu'ils ont été sauvés en même temps. Donc ils leur montrent. Et pour les gens de l'enfer, ils leur montrent, c'est aussi une torture pour les gens de l'enfer, ils leur montrent leur maison du paradis qui leur était destinée s'ils auraient fait des bonnes actions. Donc ça les torture intérieurement. Un sentiment d'affliction et de remords tellement fort s'empara alors d'eux, c'est-à-dire aux habitants de l'enfer, que si la mort existait en enfer, ils seraient morts de chagrin et d'affliction. Là, l'échange des maisons s'effectuera. Les maisons paradisiaques des pécheurs qui sont rentrés finalement en enfer seront données aux bienfaiteurs qui seront rentrés au paradis. Et inversement, les maisons infernales de ceux-ci seront données aux pécheurs qui seront rentrés en enfer. C'est-à-dire que les gens en enfer, ils ont déjà leur propre maison en enfer, ils en auront d'autres de ceux, c'est-à-dire leur maison. Les maisons des gens du paradis qui étaient les maisons qui étaient destinées pour les gens du paradis au cas où ils auraient fait des mauvaises actions, ils sont données aussi aux gens en enfer. Donc c'est cela, donc l'imam Sadr continue, c'est cela l'explication du verset coranique relatif aux gens du paradis. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Bir el Anwar, volume 8, page 125 et 287. Sinon le verset coranique, ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour eux demain éternellement, c'est soit El Mouminoun, soit les croyants, donc la sourate 23, versets 10 et 11. Sourate El Mouminoun, versets 10 et 11. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. Ce sont eux les héritiers qui héritent du haut degré du paradis où ils seront pour éternité. صدق الله العلي العظيم. Selon l'imam Sadiq alayhi salam, toujours, les gens destinés au paradis y entreront et les gens destinés à l'enfer y rentreront. Un crieur criera de la part d'Allah, ô gens du paradis et gens de l'enfer, reconnaîtriez-vous la mort si elle s'incarnait sous une forme donnée? Ils répondront non. On amènera alors la mort sous forme d'un mouton à deux couleurs, blanc et noir, et on le déposera entre le paradis et l'enfer. On dira aux gens, voici la mort, regardez-la. Puis Allah ordonnera qu'on l'égorgea et dira aux gens destinés au paradis, vous y resterez éternellement. La mort ne vous touchera jamais.
Et c'est cela la signification du verset coranique, et avertis-les du jour du regret quand tout sera réglé. Sourate Maryam, donc la sourate 19, verset 39. Car c'est un regret parce que, à partir du moment où la mort est égorgée, cela démontre que les gens de l'enfer resteront éternellement en enfer. Et qu'il n'y aura plus de mort, donc soit ils resteront éternellement en enfer, soit éternellement au paradis. Sourate Maryam, verset 39. Donc c'est qu'un extrait du verset. Il n'est pas en entier. A'oudou billahi samir al-ralim min ash-shaytan al-rajim. Wa andiru yawm al-asrati id qudiya amru. Et avertis-les, sadaqallahu al-aliyyu al-azim, avertis-les du jour de regret quand tout sera réglé. La suite du verset dit, mais ils en sont insouciants et ils ne croient pas. Voilà. Un autre hadith, non, là l'imam Sadr al-Salam explique ce verset, et avertit-les du jour de regret quand tout sera réglé. D'après l'imam Sadr, le verset désigne justement ce jour où Allah ordonnera aux gens, respectifs du paradis et de l'enfer, de rester éternellement et durablement dans leur demeure respective, sans que la mort vienne un jour les prendre, et ce jour-là les gens de l'enfer pousseront des soupirs de regret et de remords, qui ne serviront à rien, ils n'auront plus aucun espoir, ils vivront dans un désespoir total. Pierre et la Noire, volume 8. Page 345. Selon l'imam Ali alayhi salam, il y a dans l'enfer des caveaux et tunnels pour les pécheurs. Leurs pieds seront attachés par des chaînes et leurs mains liées à leurs cou. Ils porteront des vêtements en cuivre rougi et sur leurs chemises il y aura des robes de feu. Ils seront torturés par un feu ardent. Les portes de l'enfer seront hermétiquement fermées et ne s'ouvriront pas. Leur affliction et angoisse ne les quitteront jamais, car leur torture sera continuelle et leur punition en perpétuel renouvellement. Il n'y aura aucune fin à leur vie ni à leur séjour. Ils crieront au secours à l'adresse de Malek pour qu'il demande à Allah de les faire mourir. Mais il leur répondra, vous resterez éternellement sous la torture, comme en témoigne ce verset coranique. Et ils crieront, Malek, que ton Seigneur nous achève. Il dira, en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Sourate al-Zukhruf. Donc, Sourate al-Zukhruf, c'est la sourate l'ornement. Sourate 43, verset 77. Verset 77. A'udhu billahi samir al-ralim min ash-shaytan al-rajim. Wa nada ya maliku liyaqdi alayna rabbuka qala innakum makisun. Sadaqallahu al-aliyyu al-azim. Ils crieront Malek, que ton Seigneur nous achève. Il dira en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Selon l'imam Sadr alayhi salam, et j'en terminerai là, il y aura en enfer un puits que les habitants terriblement. Il est la demeure de tout tyran orgueilleux, de tous les gens récalcitrants, de tous les satans rebelles qui ne croient pas au jour de la résurrection et qui sont hostiles à Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi. Les gens qui subiront la torture la moins sévère en enfer porteront deux sandales de feu. Munis de deux attaches de feu, leur cerveau bouillira à force de chaleur comme une casserole qui bout sur le feu. Ils croiront que leur torture est plus sévère que celle des autres habitants dans l'enfer alors que c'est pourtant le contraire. Biar et la Noire, volume 8, page 200. 95. Inch'Allah, qu'Allah nous protège des affres de l'enfer et qu'il nous fasse accéder au paradis en proximité de Muhammad wa Ali Muhammad. Wa akhiyun da'wa, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.